s'appelle l'ère du temps. L'air du temps est boisseux, grâce aux nausées abondent, il pue. Le respirer revient à s'intoxiquer le corps, l'esprit et les idées. Il n'existe pas de masque à gaz contre la décérébralisation, mais juste des friandises pour les yeux de nos gueules de cons. Soma amateur, une sommation, tu arrives à l'heure, satisfait de ne pas saisir qu'au bout du compte, tu n'es qu'un leurre. L'air alarmé, l'œil larmoyant, mais ce n'est que pour te faire oublier un instant le monde absurde et cruel dans lequel on te fait évoluer. Les persuasions clandestines nivellent notre matrice sociale, où on domine d'autant mieux que le dominé on demeure inconscient. Dans le meilleur des mondes, j'étais persuadé que penser librement, aimer chèrement, construire consciemment était d'usage. Mais c'est faux, ultra faux et archi faux. Autour de moi je n'aperçois que des faux semblants qui essaient de me détourner de ma vérité. C'est la même qui aujourd'hui m'amène encore à rédiger. Nous sommes une expérience en mouvement. Nous sommes une espèce en voie d'expansion. Nous sommes le virus le plus virulent. Nous sommes la voie de la déraison. Nous avons voulu devenir, alors maintenant nous sommes. Nous avons voulu construire, maintenant on ordonne un humarium grouillant d'individus hagards, se regardant le nombril ou les pieds pour la plupart. Pendant qu'à part, un peuple meurtri part. Pendant qu'à part, une extinction démarre. Regarde autour de toi si tu peux ouvrir les yeux. Juste un effort pour ceux qui n'ont pas le choix de les fermer eux. Finalement, chacun passe son temps à essayer de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. Décidément, ce doit être dans l'air du temps de se regarder crever et d'applaudir quand c'est fini.